is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Salut les amis, nouvelle vidéo. Là je suis à mon troisième jour de road trip avec mon van. Je suis à 20 minutes du château de Chambord, je vais aller le faire. Je me suis réveillé un peu tard, là il est 10h30. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il fait que pleuvoir ou avoir le ciel gris. Donc le panneau solaire il marche pas énormément. Je commence à manquer de batterie, donc ça va être compliqué pour charger les appareils et être autonome à l'intérieur du van. Bon, après en roulant ça se recharge toujours un peu, mais bon, c'est surtout le frigo qui consomme énormément et l'ordinateur quand je m'en sers. Mais bon, espérons qu'il fasse ce soleil quand même et que je puisse utiliser le panneau solaire quand je roule pas. Et du coup, ben là j'ai dormi dans un petit village et comme j'ai dit, je vais aller voir le château de Chambord. Je l'ai jamais fait et en photo ça a l'air juste énorme, donc j'ai hâte de voir ça. Allez, on se retrouve là-bas. Les amis, je me suis arrêté sur la route là parce que j'ai vu une église avec un cimetière, un vieux cimetière autour, et je voulais voir ça. Et franchement, c'est énorme de passer par des routes nationales parce qu'on voit des choses magnifiques. J'ai vu deux villages, bon, je me suis pas arrêté, mais deux villages vraiment en colombage et vraiment style comme on peut voir dans La Belle et la Bête du film Disney. Et en fait, plus je monte dans le nord, plus je me dis putain, l'architecture elle est belle, c'est vraiment la France comme dans les films. Et là du coup je suis dans un cimetière, mais il fait tellement authentique, il n'y a que des quoi en fer. C'est bizarre. Du coup ouais, l'église elle est complètement bizarre en ardoise et faut que je vous filme ça. Et je suis dans la commune, l'église. C'est marrant, je sais pas si c'est pas par rapport à l'église, mais du coup je suis dans la commune, l'église. Regardez-moi les amis, j'arrive à Chambord là, c'est magnifique. Là j'étais en train de traverser le parc là, et je savais pas, il y a un parc gigantesque. Avec carrément des panneaux, attention, animaux en liberté et tout. Et le château il a l'air ouf. Je pense que j'ai jamais vu un château aussi grand, je pense. À part celui de Versailles, bien sûr. Mais là en fait ça fait un village autour. C'est tout mignon. C'est vraiment comme la France, les touristes se l'imaginent quoi. Regardez-moi ce château. Les amis, je suis arrivé au château. Je vois le parking là, c'est archi blindé. Je pensais pas que c'était aussi touristique. Et il y a trois parkings, ils sont tous blindés. Pourtant là, il est midi. Je mets des chaussures parce que je suis en claquette. Je vais pas aller en claquette quand même. Et après, ben, on va faire la visite. Hein. On va voir. Je crois que c'est 16 euros par personne. C'est un peu abusé, mais bon. Je suis là, donc je vais le faire. Par contre le château il a l'air ouf et on dirait qu'il y a un village autour du château. Faut que je regarde sur internet, je me renseigne un peu parce que je sais absolument rien du château. À part qu'il est énorme et monstrueux, je sais rien sur le château. Mon petit étang noir. C'est stylé comme van. Je crois que c'est le T2, je crois. Je viens de passer devant une cahute et en fait on peut louer des voiturettes de golf pour faire le tour. Mais après j'ai compris pourquoi, parce que je regardais sur internet. C'est le plus grand parc d'Europe clos et il fait 50 km² et il y a un mur qui le sépare de 32 km quand même. Donc c'est le parc clos. Le parc forestier le plus grand d'Europe. C'est pour ça qu'il y a des voiturettes, regardez. Une voiturette qui va passer. Du coup on peut les louer.
tout le monde. Le château il est magnifique, mais il y a trop de monde pour faire des vidéos ou des photos, c'est horrible. Les gens touristes. C'est un foot complet, quoi. Donc, là, c'est juste une partie. Il y a trop de monde. J'essaie de faire de mon mieux. Mais... Les amis, le parc il va jusqu'à... Là on peut voir le parc tout au bout là-bas. Il y a comme un lac. Tu m'étonnes, c'est 50 km carrés, je suis content. C'est hyper grand. Regardez-moi cette poche à couilles, c'est une Kinder Surprise. Bon les amis, je viens de sortir de la visite du château, de la partie intérieure. Je vais aller manger à mon van parce qu'il est 16h et j'ai méga faim. J'ai rien mangé depuis ce matin, j'en peux plus. Et après je vais aller visiter le village et les jardins. Et du coup je voulais vous dire, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, le château il a été fait par le roi François Ier, qui était roi à l'époque. Il a été construit en 1719 et il a été domaine royal pendant quasiment 2 siècles. Après il a été vendu à différentes personnes. Et il a fini par être racheté par l'État. Et il se situe dans le parc forestier clos, le parc forestier clos le plus grand d'Europe, qui fait 50 km², avec un mur de 32 km. Et si vous voulez savoir où il est dans le département de Loire-et-Cher. Et c'est le plus vaste château de la Loire. Et il est vraiment abusé, hein, parce que moi qui ai fait le château de Chenonceau il y a quelques temps, il est vraiment abusé. Tu te perds. Bah avec tout le monde il y avait des tablettes, mais moi j'avais pas envie de payer 7€ pour avoir une tablette et passer la journée à écouter. Mais sinon ouais tu peux passer vraiment du temps quoi, surtout avec la tablette je pense. Faire tous les recoins, toutes les pièces. Il y a des visites guidées aussi j'ai vu. Mais voilà. Et il est vraiment abusé. Là je vais aller manger et on se revoit tout à l'heure. Bon, je suis sorti du van. Il pleut pour changer, du coup j'ai mis mon poncho, je suis allé voir le village. Et l'église, voir si ça vaut le coup, et le jardin ce sera pour une prochaine fois, parce que là la pluie franchement j'en ai marre, j'espère que tout le séjour ne va pas être comme ça, parce que c'est relou de ouf. Là quand j'étais dans le château on s'en fout tu vois, les visites intérieures, mais là la pluie j'en ai marre. Bon là j'ai le poncho, c'est mieux que hier. Un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'ai appris que pendant l'occupation allemande de la France, mais en fait comme le gouvernement se doutait qu'il allait avoir une guerre mondiale, ils avaient envoyé tous les trésors nationaux et tous ceux qui étaient dans les musées en France, comme la Joconde et tout le reste, ils avaient fait des conteneurs en bois et les avaient envoyés par la route. Ils ont fait 200 allers-retours pour distribuer tout ce qui était dans le Louvre et tout, et pour que ça soit protégé, que ça soit pas pillé par les Allemands. Et du coup, ça atterrit ici, dans le château de Chambord, parce qu'il fallait un endroit où il y avait beaucoup de place. Et ici, vous avez vu que le château, il est immense. Et en fait, du coup, j'ai vu des photos avec des caisses en bois partout dans le château. Toutes les pièces où j'ai fait, c'était rempli de caisses. Ils avaient essayé de mettre des extincteurs au cas où il y ait des incendies.
Et ils avaient formé des gens qui étaient dans l'incapacité d'aller à la guerre par problème physique ou handicap. Ils les avaient formés pour être gardiens ici. Mais malheureusement, ça s'est su. Du coup, les Allemands ils sont venus ici. Comme je vous ai raconté, il y avait des Allemands qui occupaient le château. Et si le curé de Chambord et le responsable du château ne s'étaient pas opposés aux Allemands, et ils avaient bataillé pour pas qu'il y ait d'incendie ou de bombardement, sans doute tout aurait été détruit comme la Joconde et tous les autres tableaux comme le radeau de la Méduse et tout ça. Donc ça c'est un truc intéressant que j'appuie aujourd'hui. Et du coup j'ai pu voir des photos avec tous les paquets à l'intérieur et tous les objets d'art cachés dans ce château. Et il faut savoir qu'il y a deux avions américains qui ont été détruits et ils ont failli percuter le château. Il y en a un qui est tombé vraiment juste à côté, j'ai vu une photo avec l'éclat de l'avion, c'était vraiment juste à côté du château, quoi, à 50 mètres. Donc il aurait pu taper le château et mettre le feu, quoi. Mais heureusement, ça s'est pas fait. Mais vraiment, c'est passé à deux doigts. Parce que comme il y avait des batailles aériennes au-dessus du château, et comme il était visible, vu qu'il est énorme, on a failli tout perdre. Regardez, c'est le mur que je vous disais tout à l'heure, qui fait 32 km. Là, ça fait déjà un moment que je roule à côté du mur, là. Et il est vraiment énorme. Je ne sais pas s'il fait tout le tour, mais regardez, il va jusque là-bas au fond. Il est vraiment gigantesque. Tout ça pour protéger le château. Les ouvriers, ils ont dû bien galérer quand même à l'époque à faire tout ça. Et ça devait être répétitif, là, de monter un mur sur toute cette longueur-là. J'ai rien contre le nord, hein, mais plus je monte, plus il pleut, quoi. Ça va être horrible, je pense. Est-ce que je vais tenir un mois comme ça? Moi qui ai l'habitude de mourir de chaleur, justement, je voulais éviter la chaleur, les 40 degrés de l'Andalousie et de Séville. Mais je voulais pas non plus la pluie tous les jours, quoi. Et pas en août, quoi, putain. Pas en août, quoi. Mais bon, espérons que dans quelques jours ça se calme, au moins avoir du soleil. Je ne demande pas la chaleur, mais du soleil, putain. Amis, je me suis posé là, j'ai roulé, je crois que où on s'est quitté c'était au château de Chambord. Je me suis dirigé à Orléans pour m'acheter des chaussures étanches à Decathlon et une bâche parce qu'il faisait que pleuvoir, j'en avais marre, mes chaussures étaient trempées, ma deuxième paire. Et du coup regardez, je vous montre, je me suis arrêté au milieu de rien, je suis direction Paris, je suis à une heure de Paris, au milieu de la campagne, dans des petites routes. Derrière moi, il y a un champ avec des éoliennes. Et sinon, il n'y a rien, quoi. Je suis passé par des petites routes de campagne. J'ai vu plein de lapins. Et là, je suis en train de me faire à manger parce que j'ai faim. Il est... Attendez, parce qu'à chaque fois, je vous dis l'heure. Il est... Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Il est 21h57. 21h57. Du coup, je vais me faire à manger, je vais faire de la viande avec des petites patates. Et je pense passer la nuit ici. Et demain, en fait, je me suis chauffé parce que je me suis dit, putain, mais c'est l'occasion. Vu que j'ai le passeport annuel de Disney qui va se périmer à la fin de l'année et que je ne compte pas le refaire par rapport aux abus de petits qu'ils ont fait. Et du coup, je me suis dit, mais je vais passer à côté. J'ai tout mon temps. Du coup, demain, je vais aller à Disneyland Paris normalement. Je me suis pris une réservation avec mon passeport annuel. Donc on va se retrouver là-bas. Et ça va être cool, une journée détente, tu vois. Pas de visite, pas de marché. Vu que j'ai fait plein de vidéos à Disney, je pense pas que je vais filmer énormément. Juste pour faire un petit passage au vlog. Mais du coup, ça va être cool de faire autre chose que visiter. Et voilà. Et là, regardez. Dans
Pour de vrai, on voit moins ce qu'à la caméra. Il fait plus noir. Parce que là, j'ai réglé l'exposition pour qu'on me voie un peu. Mais du coup, ben, je suis bien. Là, je vous montrerai mon camp avec mon van. Petite guirlande, la petite bâche, la table avec le fauteuil, le réchaud pour faire manger. Là, je suis au top. Petit film, je vais trier les vidéos comme d'hab et les mettre sur l'ordi. Et après, eh bien, chill, regarder un film et se détendre et se reposer pour demain. Donc, allez, moi je vais faire à manger. Du coup, je vous dis à demain. On se retrouve demain à Disneyland Paris, comme je vous ai dit. Au quatrième jour de mon voyage, j'ai dormi là comme vous avez pu voir hier soir dans un village paumé au fin fond du village. Et derrière moi on peut voir un champ avec des éoliennes et une route, il n'y a pas grand chose autour de moi. Et là il est 8h30, il fait vraiment pas chaud, il fait 15 degrés, ouais, mois d'août c'est pas ouf, j'espère que ça va se réchauffer, au moins il pleut pas, c'est déjà énorme pour moi. Et là, comme je vous ai dit, je vais aller direction Marne-la-Vallée. Je suis à 1h30. Je vais aller à Disneyland Paris, faire une journée de chill. Je ne pense pas faire toutes les attractions parce que je suis tout seul et je les ai tellement fait que je ne vais pas me presser pour les faire. Aussi, je ne pense pas rester au feu d'artifice et au spectacle le soir à 23h. Parce que voilà, pareil, je l'ai fait tellement fois et que tout seul, je ne vais pas me forcer à rester jusqu'à 23h si je peux prendre la route. J'ai fait un peu de rangement dans le van, il était nécessaire. Il faut toujours que ça soit carré pour se sentir bien à l'intérieur. Et là, écoutez, j'ai tout plié, donc j'ai plus qu'à prendre la route. Et aussi les gars, petit point électricité. Heureusement, je prends la route parce que c'est pas grâce au solaire. Là, je suis à 0%. J'ai plus rien. Plus d'électricité. Il y a le panneau solaire branché. Mais ça charge pas. Donc, j'espère qu'avec la route, je vais charger un peu. Mais c'est pas grâce au soleil, quoi. C'est chaud, comme vous l'avez parlé. J'ai pris une chocolatine et un poisson. Et c'est vrai qu'ici, dans le Nord, on dit ça un pain au chocolat. J'ai pris un pain au chocolat. Il y a des pales de. Regardez. Il y a des pales de éoliennes sur le bord de la route. Et du coup, voilà. Bon, là, j'espère plus m'arrêter. J'ai pris par la nationale pour aller jusqu'à Paris. Du coup, j'espère voir des jolies choses. Et comme j'ai plus de batterie dans l'EcoFlow, mais j'ai fait à l'ancienne. Heureusement, j'ai pris ça. Je me suis dit, ça peut me servir. Regardez. C'est un transformateur allume-cigare, 150 watts. Que j'avais acheté à l'époque il y a 10 ans à Lidl. Il est un peu éclaté, des fois ça fait des étincelles parce que les fils ils sont nus, mais là au moins je peux charger mes appareils. J'ai ma caméra en train de charger, ma batterie externe, après il faut que je mette la tablette à charger et voilà. Et regardez là-bas au loin, on peut voir encore des éoliennes et un autre village. Aussi petit point douche solaire. Mais comment vous dire que ça fait deux jours qu'il n'y a pas de soleil, donc l'eau n'est pas chaude du tout. Je me suis douché avec l'autre jour, là, le premier soir, parce qu'il faisait bon. Mais là, comment vous dire que hier, quand je suis arrivé au spot pour dormir, il faisait 15 degrés, donc j'avais pas du tout envie d'utiliser la douche solaire. Donc j'espère que le temps va s'améliorer, qu'au moins j'aurai de l'eau tiède et je pourrai me doucher, quoi. Les amis, je ne sais pas si on va m'entendre, je suis au bord de une nationale, mais j'ai fait demi-tour exprès pour ça. Oui, je m'intéresse vraiment à tout, mais je ne pouvais pas passer ça et je voulais le voir de mes yeux. Et en fait, je suis passé devant un Buffalo Grill, et bon, ça, c'est tout le monde connaît, les restaurants, mais là,
je ne connaissais pas, c'est un complexe qui est abandonné. Il y a du monde, donc c'est impossible de faire de l'urbex. Mais en fait, c'était un complexe hôtelier, je pense. Et c'est gigantesque. J'ai vu sur Google Maps, vu du ciel, mais regardez-moi derrière. C'est un hôtel, je pense, tu vois, sur le thème de Buffalo Grill, des cowboys. Et je vais aller voir ça. Et là, on peut voir que le restaurant est encore ouvert. Donc tout le reste est fermé. Et quand je vous dis que c'est gigantesque, c'est... je vais essayer de mettre la photo de Google Maps, mais c'est énorme. Et je pense qu'ils se sont en feu. Ouais, c'est un hôtel, je vois. Ça fait comme les motels américains, tu vois des chambres ouvertes avec la clim. Et je pense qu'ils se sont emballés. Regardez-moi le tipi. Là, on peut voir que c'est fermé derrière. C'est dommage, hein. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait des hôtels. Mais en même temps, ça n'a pas dû marcher. Mais je vais aller faire le tour. Mais quand c'est vraiment abusé. Ils se sont enflammés, ils ont fait un village énorme. Donc ils cherchaient du contreplaqué. Il y a gavé de contreplaqué. Là, il y a un panneau quasiment entier. On le voit pas là, mais tout derrière cette clôture là, il y a un complexe hôtelier de Buffalo Grill. Je savais même pas qu'ils avaient fait des hôtels. Mais je l'ai vu au loin et c'est gigantesque. Mais quand je dis gigantesque, c'est la taille d'un hôtel de Disney quoi. Là, on peut voir le parking déjà. Et je sais pas si on voit, mais c'est énorme. Regardez là-bas, on peut voir une partie du complexe. Quand je vous dis que c'était énorme, c'est gigantesque. Là, j'ai contourné du coup la clôture. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit une partie des bâtiments. Il y a des chaises abandonnées juste devant. C'est compliqué parce que la haie est énorme. Et on peut voir des chaises de saloon et une partie des bâtiments. Quand je vous dis que c'est énorme. Bon, j'ai passé la clôture, mais bon, il y a une caméra là-bas. Il y a d'autres là-bas. Donc voilà, je ne vais pas prendre le risque pour ça. Mais là, on peut voir quand même qu'ils étaient énormes, avec énormément de terrain. Plus le restaurant là-bas. Ils ont complètement abusé. Du coup, j'ai sauté la barrière. Là, on peut voir derrière moi les bâtiments dortoirs. Et on voit que c'est vraiment énorme quand même. Ils ont abusé. Je me répète, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont cru qui allait se passer en faisant un hôtel Buffalo Grill en plein milieu de nulle part, au bord d'une nationale. Là, on peut voir derrière moi qu'il y a plusieurs bâtiments avec du terrain. C'est gigantesque. Bon, je pense que ça fait quelques années que c'est abandonné. Je pense pas que je vais aller plus loin parce qu'il y a des caméras. Mais un peu partout dans chaque poteau électrique, chaque luminaire, il y a des caméras. Mais au moins, on vit un peu plus près. Je peux aller au fond ni dans les bâtiments parce qu'il y a des caméras partout, comme j'ai dit. J'ai pas envie d'avoir d'histoire. En plus, j'ai pas le temps. Mais c'était cool, au moins j'ai appris quelque chose, c'était intéressant. Après je pense qu'il doit rien avoir à l'intérieur, ils ont dû tout vendre. S'ils étaient en faillite à mon avis, c'est vide. Et c'est bizarre que le restaurant il marche encore. Et ils ont de l'espoir parce que qui a envie de venir à côté d'un truc abandonné quoi, pour manger. Mais bon, s'ils sont toujours là, c'est que ça va marcher. Là, ben, regardez, j'ai traversé un champ pour pouvoir y accéder. Là je retourne au van. Et direction chez Mickey. Enfin, je vais arriver à je sais pas quelle heure avec tous les arrêts que j'ai fait. Et c'est ça l'aventure. Et c'est ça que j'aime sur la route, c'est de voir des choses qu'on n'avait pas prévues et de s'y arrêter. Et c'est ça l'avantage du van quoi. Donc allez, on se retrouve là-bas si j'ai pas vu quelque chose d'autre sur la route. Quand tu sors avec une réunionnaise algérienne, t'écoutes ça comme musique. Et là j'ai pas filmé, j'ai hésité à faire demi-tour aussi. Mais j'ai vu un dépôt de conteneurs de chantier. Et du coup c'était abusé, ça faisait peur, tu vois, ça faisait ville futuriste. Un peu genre bas quartier, tu vois, ils étaient tous empilés, ça devait faire 30 mètres de haut. Alors il y a un immeuble
de containers de chantier là. Et, mais du coup ouais c'est intéressant là comme l'hôtel Buffalo là. Et c'est chouette de voir des choses comme ça quoi. Et j'espère que dans les autres pays où je vais aller, Belgique, Pays-Bas et Danemark et tout, peut-être l'Allemagne aussi, je vais trouver des choses chouettes comme ça et intéressantes. Et ça me plaît. Et en plus de qu'est-ce qui se passe là, il y a le soleil qui est sorti. Enfin, il y a des nuages, mais il y a le soleil. Je suis passé, j'avais pas mon passe annuel, mais heureusement que maintenant on peut l'avoir sur son téléphone. Et du coup, c'était pas du tout prévu. Mais du coup, ben, j'y suis, hein. Je suis à Disneyland. On peut voir derrière là. Et du coup, c'est énorme. C'est n'importe quoi ce road trip là. Je fais tout qu'à l'arrache, mais c'est marrant. Hein. Du coup, je suis parti directement manger dans un de mes restos fast-food préférés, celui dans la partie cowboy. J'ai déjà filmé dans toutes mes vidéos, je crois. Mais du coup ça fait plaisir là, j'ai faim, il est 14h30 et du coup j'ai même pété le bide, c'est toujours le menu du shérif là, le plus cher, avec les ribs, le poulet et tout, pour regarder. Franchement, c'est une tuerie. Ah, je vais me régaler, je suis trop content quand même d'être ici. Je sors du restaurant, Cowboy Cookout, et maintenant il fait super beau, il y a plein de soleil. Et que je suis totalement dégoûté là, parce qu'avant mon dessert préféré c'était la tartelette au pécan, et maintenant ils la font plus dans le menu et même pas la vente individuelle, donc ça je suis totalement dégoûté. Pourquoi ils enlèvent des trucs comme ça, c'était tellement bon cette tartelette, c'était mon truc préféré limite de bouffe quoi. Mais bon, allez, je vais continuer à chiller un peu là. Mi amor, tu me dis rose crevette, à mi amor, qu'est-ce que je fais de mes chaussures, à mi amor, tu dis mets sur ta tête, à mi amor, et tu me rends un poco loco, un poquitito loco, je suis un homme amoureux, qu'on ne prend plus au sérieux, je peux m'estimer heureux, d'être seulement un poco loco. L'amour est tout petit, devant le ciel on se dit que nous sommes des fourmis, le monde est petit. Mare montino, ci dividono, lui al sole sempre risplendono, son sorriso farà. Il est minuit et demi et du coup ben, après Disneyland je suis parti vers 19h30 je crois, retour à mon van pour manger et j'ai mangé des sushis, du coup ben, je me suis pété le bide et après je suis allé au cinéma de Disney Village au Gobain, il y avait une séance à 22h pour voir le nouveau film de Jason Statham avec le méga lodon là.
je sais plus comment il s'appelle. Et il était en version 4DX, et comme j'avais jamais fait ça, du coup je suis allé tester ça, c'était une tuerie. Franchement, je sais pas si c'est le film qui fait ça, vu que il y a de l'action tout le temps, mais du coup je connaissais pas du tout. Par contre, c'est hyper cher. Genre, j'ai payé 23,50€, plus les pop-corn 11€. Mais j'en ai eu pour presque 35€ la soirée, mais bon. Je voulais me faire un kiff. Et du coup, ben, la 4DX, là, c'est vraiment ouf parce que, déjà, c'est une 3D qui est claire. Parce que je sais pas si c'est chez moi, mais à chaque fois que je vois un film en 3D, ben, c'est hyper sombre. Et, genre, j'ai vu Avatar récemment et ça enlève toutes les couleurs. Et là, c'était hyper clair, comme si on n'avait pas de lunettes. Le siège, il fait que bouger. On se reçoit de l'air, de l'eau, des tremblements, et vraiment, je sais pas si c'est que c'était ce film, mais ça faisait que bouger. Genre, en plus, j'avais un pantalon de randonnée, là, et du coup, la matière, elle glisse, et sur le siège, mais vu que ça bougeait et ça sautait dans tous les sens, genre, moi, je faisais que glisser en avant. Et du coup, on se reçoit de l'eau dans la gueule tout le temps, vu que c'est un film, on va dire, aquatique avec les requins. Du coup, il pleut, on se reçoit de la gueule et tout, genre, l'eau dans la gueule. Ça fait que bouger, trembler et tout, c'était une tuerie. Et là, ben du coup, ben je vais continuer ma petite série dans mon van. Et petit point météo, il fait 15 à l'intérieur. Donc voilà, on va se retrouver demain pour une nouvelle journée. Je sais pas encore qu'est-ce que je fais, mais bon, je vous dis à demain. Et ciao. Là, il est 4h30. J'étais en train de me cailler. Du coup, j'ai eu l'idée, vu qu'il me restait un fond de gaz, du réchaud, de l'allumer et le mettre au minimum. Bien sûr, j'ai ouvert les fenêtres pour que la combustion s'échappe. Mais regardez, je suis passé de 15 degrés à... Regardez. Je suis passé de 15 degrés à 25. Et le petit bonhomme qui me dit qu'il est content parce qu'il n'y a pas d'humidité, quoi. Donc, on va voir si la nuit est... On va voir si la nuit elle est meilleure. Et donc, je vous dis bon, mais bonne nuit, à demain. Salut les amis, nouveau jour du voyage. On est au 5e jour. On peut voir la tour de la Terre derrière. Je vais aller à Disneyland, juste au deuxième parc, au parc studio, pour faire un tour avant de partir. C'est le matin là. Du coup, comme ça, je fais le deuxième parc et après je prends la route. Et du coup, ben, la vidéo du deuxième blog de mon voyage à travers l'Europe va s'arrêter là. J'espère que vous a plu quand même. Surtout la partie de Chambord, c'est quelque chose d'inédit sur la chaîne. Parce que Disney, ben, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Mais j'espère qu'au moins vous avez trouvé intéressant et vous avez appris des choses sur ce vlog. Donc, ben, comme j'ai dit, la vidéo va s'arrêter là. Je vais continuer. Je suis en trottinette. J'ai essayé de filmer en roulant, mais c'était galère. Et bon, ben le ciel, point météo, comme d'hab, le ciel est toujours gris, il y a quelques gouttes qui tombent. Et bon, c'est comme ça. Donc le panneau solaire, il marche pas beaucoup. Vous pouvez me mettre un like ou des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et ça aide la chaîne. Et ben, on se retrouve pour la suite de l'aventure à travers l'Europe dans les prochaines vidéos. Allez, salut !